Salut tout le monde, c'est Neverback George et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre carrière avec Venise. Et vous pouvez voir que j'ai déjà pas mal avancé en fait dans la deuxième saison. J'ai fait 18 matchs et je suis 13ème, ça se passe très très mal. Je vous cache pas que cette série va peut-être pas durer longtemps, je vais peut-être me faire virer, je vais peut-être abandonner. Je vais peut-être craquer au bout d'un moment parce que regardez les finances là à droite, le solde, on est à moins 9 400 000. Alors que mon budget salarial est que à 465 000, je l'ai réduit incroyablement. Mais comme j'expliquais, oh pardon, j'expliquais sur Twitter, je sais pas si je l'ai expliqué en vidéo, au niveau des finances, en gros sur un mois on perd 1 million et on récupère 500 000. Donc même si dans les dépenses on enlevait les 500 000 des salaires, on serait quand même en négatif. C'est complètement impensable en fait. Même s'il n'y avait aucun joueur dans le club, les bénéfices, enfin, il n'y aurait pas de bénéfices, on sera en perte tous les mois. Et donc, du coup, on est à moins 9 400 000, c'est complètement dingue. Donc, du coup, vous pouvez voir que, regardez, 0% des recettes transferts sont disponibles. C'est-à-dire que quand je vends un joueur, sur la part de la vente, je récupère rien du tout. Donc, c'est totalement fou. On va regarder le mercato que j'ai fait quand même. Du coup, donc on a Zigoni hein, qui est arrivé, mais enfin qui était déjà là, mais qu'on a payé 400 000. J'ai récupéré Mastour en prêt, j'ai récupéré Nicolo Belloni en prêt. Donc bon remplaçant, j'avais besoin d'un remplaçant à ce poste-là. Donc j'ai eu Marco Blev, gardien remplaçant. Il était bien meilleur avant, enfin depuis qu'il est arrivé, son niveau a bien chuté. Dommage, j'aurais peut-être pu prendre un autre. Notamment, j'ai oublié son nom, le français qu'on voulait prendre. Raphaël Diarra, finalement je l'ai pris et je regrette pas, regarder son niveau. Il est assez bon. Bon, il a pas une moyenne de ouf parce que mon équipe coule, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Il a un très très bon niveau. J'ai eu Samuel Gustafsson libre aussi. C'est un gros coup lui parce qu'il y avait de grosses équipes sur lui. Et il a décidé de nous rejoindre, donc c'est pas mal. Marcos Tebar, qui a bien baissé aussi depuis qu'il est arrivé. Mais bon, il fait franchement des matchs assez bons. Pour un milieu défensif, j'avais besoin d'un bon. Il fait le taf. Ensuite, on a Declan John, défenseur gauche titulaire. Pareil, il a un niveau assez raisonnable, je trouve qu'il fait des plutôt bons matchs. Et Abdoulaye Bamba, défenseur droit remplaçant. Donc, c'était un remplaçant, donc pas besoin de quoi que ce soit. J'ai prêté Léo Stulac et Sigani à Sienne. J'ai vendu, enfin non, Moreo est parti libre. En fait, je voulais le vendre, mais personne ne le voulait. Donc, je l'ai proposé à 0€ pour qu'il parte parce qu'il avait 20 000 de salaire, je crois. Donc, pour libérer du salaire. Donc, il est parti. J'ai vendu également Pinato à Ternana, Cernuto à Valenciennes et Soutsiou à Catane, donc j'ai vendu pas mal quand même, mais bon. Cernuto, voilà, qui joue à Valenciennes. Est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il joue? Ouais, il a joué en Ligue 2. Hein. Il a joué 15 matchs, je l'avais prêté l'année dernière. Une passe décisive, une fois homme du match. Tant mieux pour lui. Donc du coup, au niveau du calendrier, qu'est-ce que ça donne notre saison? Bah, il y a du bon comme du moins bon. Hein. Bon, en coupe, on s'est fait éliminer par l'Atalanta, rien de surprenant. On avait bien commencé la série B, enfin, on avait bien commencé, on menait 2-0. On s'est fait rattraper à 2-2. Et le match d'après, on menait 2-0. Et regardez, on s'est fait rattraper à 2-2 en 2 minutes. Donc je me suis dit, bon, ça part déjà très mal cette saison derrière. Je perds contre Sienne, je perds contre Cremonese. Enfin une victoire derrière contre Entella. Une grosse défaite contre Frosinone qui était dernier. Mais regardez, hein. 81, 82, 83. Le jeu est vraiment contre moi, clairement. Derrière, j'ai une grosse victoire contre Livourne, je sais pas pourquoi. J'enchaîne 3 victoires contre Avellino, qui était deuxième à ce moment-là. Et maintenant, ils sont premiers, Avellino, je crois. Ils sont premiers. Et contre moi, ils sont premiers. Regardez, premiers en série B. Et je vais vous montrer, hein, parce que si vous avez pas vu sur Twitter, ils ont pas fait une frappe cadrée. Ils ont fait une frappe du match, zéro cadré. Et la frappe, c'est à la 85e. Comment je peux faire un match comme ça contre le deuxième et perdre contre tout le monde derrière, quoi. Derrière, on gagne aussi Pérouse. On fait un match une contre Foggia qui arrête un peu notre série. Derrière, on perd contre Spezia qui était dernier. On prend un but d'entrée, donc il nous fait très mal. Derrière, on regagne contre Vicenza et la grosse série noire avec une défaite, un nul contre Vérone dans le derby. Mais on égalise on menait 2-1, pardon, et on se fait égaliser à la dernière minute, encore une fois. Hein. On marque à la 82e. Je me dis, ah, je le sentais pas parce que j'ai vu 5 minutes d'arrêt de jeu. Je voyais 92. Je dis, regarde bien, hein, en 3 minutes, on va s'en prendre un. Bingo, encore un but en fin de match. Il y a quelque chose avec les fins de match. Hein, on a du mal. D'ailleurs, on perd contre Pescara. On perd contre Provercelli. On fait match nul contre Brescia. Et on gagne contre Cittadella. Donc, on a gagné un match quand même. Donc là, aujourd'hui, on va jouer contre Crotone et Parma. Donc, logiquement, on va faire notre possible pour jouer 2 matchs. Je veux pas en jouer plus. Mais, comme je disais, j'ai bien peur que cette série
est une fin très rapide en fait. Ils sont ravis de mon attitude, oui, parce que j'ai dit que je voulais pas aller à Clermont. Mais à force, je me demande si y a un club. Enfin, je pense pas que si un club me propose, je partirai. Je pense plutôt si je veux partir dans un autre club, recommencer une carrière. Je pense pas changer de club dans cette carrière. Enfin, à voir après, hein, peut-être, mais. Mais je pense qu'on va très vite peut-être se faire virer. Parce que je peux rien faire en fait. Je peux pas recruter. Je fais que réduire la masse salariale pour essayer d'équilibrer les finances, mais. En gros, mon équipe s'affaiblit et les moyens, enfin, et la dette augmente, mais le seul moyen de réduire un peu la dette, ce serait de monter, avoir des moyens d'une équipe de Serie A. Mais c'est impossible avec l'équipe que j'ai. Donc clairement, c'est clairement un cercle vicieux. Je sais vraiment, vraiment pas quoi faire, quoi. Pour le coup, même si je prends des joueurs en prêt, ça changera rien, ça toujours en négatif. Il n'y a aucun moyen de gagner de l'argent, en fait. Et ça, c'est vraiment un peu traître. Quand je l'avais fait avec Valenciennes. Ce qui était mon point fort, c'est que je gérais bien les salaires, dans le sens où j'avais un budget salarial, mais je prenais beaucoup moins. Et comme ça, j'avais des revenus tous les mois, en gros. Par exemple, on dépensait 1 million et on avait 1 million 5 de revenus. Du coup, tous les mois, je gagnais 500 000. Et donc, au fur et à mesure des saisons, on était à plus de 100 millions de budget. Parce que, en plus, pendant les mercatos, je vendais pour plus que ce que j'achetais. Donc au final, je faisais vraiment des bonnes choses. Et à la fin, on est passé à moins 20 millions, je crois, parce que on a acheté un stade qui nous a coûté 120 millions, donc les finances sont redescendues un petit peu. Mais c'était quelque chose de bien. C'était quelque chose où on pouvait avoir des finances. Là, clairement, c'est infaisable, quoi. C'est infaisable. À Gennaro Gattuso, tiens, il est l'entraîneur de Crotone. La patience est toujours récompensée, on va le soutenir un petit peu. Comme un manque de respect... Soutenir un collègue n'est pas un manque de respect. Oui, c'est ma faute si on gagne pas. Hein. Par contre, je sais pas si la musique est assez forte. Je vais baisser. Enfin, je sais pas si elle est pas trop forte. Je vais baisser un petit peu. Parce que j'ai peur que vous m'entendiez pas. Ce serait ballot. Hein. Je vais regarder sur le montage, mais je serai un peu triste. Parce que surtout que j'enregistre pas ma voix à part. Je fais un gros couplet des deux. Comme si j'étais en live. Ok, on est content. On est content, on s'en fiche un peu de ça, on va aller voir le match qu'on va faire. Donc, comme vous comprenez, j'adore Venise, j'adorerais faire quelque chose, mais je pourrais faire quelque chose si financièrement le club suivait. Là, le club est aux abois et je peux pas dire que c'est de ma faute, moi j'y peux rien en fait. Si on n'a pas de revenus, c'est pas de ma faute. Je vois pas ce qu'on pourrait faire en fait, c'est très très compliqué. Je pense qu'il n'y a rien à faire en fait. Le type, je sais pas si c'est comme ça avec toutes les équipes de série B qui a aussi peu de revenus ou si c'est vraiment Venise qui vient de série C et que c'est compliqué. Mais pour moi, du coup, avec une équipe comme ça, si tu montes pas la première saison, t'es foutu. Parce que ton club après réduit, réduit, réduit. Donc tes bons joueurs veulent partir. Parce que j'ai mes meilleurs joueurs qui veulent partir. T'as tes meilleurs joueurs qui veulent partir. Donc tu récupères des beaucoup moins bons parce que tu récupères pas d'argent. T'es obligé de prendre des joueurs libres. C'est très très dur. Hein. L'intérêt exprimé par l'entraîneur pour Yaruba. Voilà, il y a Nantes qui veut Yaruba Sissoko. Sissako, pardon, et lui veut partir aussi. Donc. Voilà, mais il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Donc voilà, donc avec une équipe comme ça, c'est très très dur. Je pense que si je me fais virer, j'ai bien envie de retourner en France. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire. J'adore le championnat de France sur FM. Pourquoi, je sais pas, mais enfin, j'ai adoré avec Valenciennes en fait, c'est surtout ça. Et je pense que ça fausse un peu mon avis, mais j'ai pas envie de faire en Angleterre. J'aime pas du tout le championnat anglais, il y a trop d'argent, enfin. C'est pas que c'est facile, mais tu peux recruter un peu qui tu veux. Et ça m'énerve. Ah, regardez lui, Skodran Kossi, un jeune du centre de formation hein, qui a un potentiel plutôt bon, hein, pour l'instant il est pas fort. Mais il a marqué lors de son premier match comme titulaire parce que j'avais Zigoni qui était blessé et Mlakar qui était en sélection. Du coup j'avais pas d'attaquant donc je me suis dit je vais aller chercher un mec du centre de formation, tranquillement. Et bah le con, il a été bon, il a marqué, donc du coup je l'ai mis titulaire le match d'après. Bon il a pas été bon par contre. Mais là allez, on va arrêter les bêtises, on va remettre Mlakar. Garofalo, on va le remettre sur le banc. Tabar à Quadro Fabrice, c'est le meilleur milieu. Donc, si, là, regardez, il s'oppose à quoi? Content du traitement d'Andreas Scavone. Oui, parce que Scavone, il joue pas, donc il joue pas, donc il s'est plaint. J'ai dit qu'il y avait meilleur que lui et ses potes le soutiennent forcément, mais bon. Du coup, on va partir avec cette équipe-là. Ouais, on va partir avec cette équipe-là. Je pense qu'on peut pas faire mieux.
Mais oui, donc comme je disais, si jamais, parce que je vais tout faire pour quand même réussir, hein, j'y arriverai pas, c'est pas possible, je pense, de remonter les finances, je vois pas comment on peut faire, c'est strictement impossible, même si je baisse les salaires à force, ça va être dur, quoi. Oui, il est blessé, voilà, me casse pas la tête. Donc, si je dois refaire une autre carrière, je ferai pas en Allemagne, parce que je réserve l'Allemagne pour plus tard dans la saison. On va faire une carrière avec le 1860 Munich, soyez-en sûr et certain, sur FM, il y aura une carrière avec Munich. Mais pas maintenant, je veux attendre de maîtriser le jeu pour me lancer dans ce défi. Et c'est pour ça que je veux partir avec une équipe de première division, parce que pas prendre une équipe de deuxième, parce qu'il faut déjà monter. Et je préfère avoir les finances d'une équipe de première sans que ça soit trop abusé. Donc la Ligue 1, pourquoi pas. L'Espagne, je sais pas, je suis pas super pour, parce que déjà on a une carrière avec une équipe d'Espagne sur FIFA. Donc j'ai pas envie de faire deux fois l'Espagne. L'Italie, j'ai fait Venise là, donc j'ai pas envie de me relancer même si c'est dans une Serie A. L'Allemagne, comme je l'ai dit, on fera plus tard. L'Angleterre, après, il reste le Portugal, des championnats comme ça. Mais pareil, j'ai pas envie de me lancer dans des champs. Bien joué, Mlakar. Dans des championnats, pas exotiques, attention, mais dans des championnats que je maîtrise pas trop pour le moment. Je veux vraiment apprendre à maîtriser le jeu. C'est ce qui est le plus important pour moi. Donc je pense que la Ligue 1, c'est la meilleure chose à faire. Après, par contre, si je pars en Ligue 1, je prends pas Marseille, je prends pas Paris, enfin Paris, de toute façon, c'est sûr, mais je prends pas Monaco, je prends pas Lyon, je prends pas Saint-Étienne, je prends pas Bordeaux, enfin, je prends pas les gros clubs. Je pense que si je prends une équipe de Ligue 1, qui est-ce que je pourrais prendre? Que je réfléchisse. Pff, si je prends une équipe de Ligue 1, une équipe. C'est un exemple, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être contents de ce que je dis, mais c'est pas du tout. Putain, j'ai eu peur. C'est pas sûr du tout qu'on fasse ça, même pas du tout. Regardez, depuis qu'on a mis notre but, on se fait dominer. C'est tout le temps comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont, les joueurs, mais dans le mental, c'est pas ouf. Mais une équipe comme Guingamp, c'est un bon défi. Guingamp, il y a qui d'autre? Nice, non, c'est peut-être un peu trop fort encore. Montpellier, c'est pas mal. Montpellier, c'est très très bien aussi. Montpellier, Guingamp, vous voyez, ce genre d'équipe de milieu de tableau qui joue plus le maintien, enfin pas qui joue vraiment le maintien, mais qui joue le milieu de tableau en tout cas. Il y a plusieurs équipes comme ça. Il y a même Rennes. Je pense qu'ils sont encore un peu trop forts, entre guillemets, dans le jeu. Mais une équipe vraiment pas très très forte. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Je vous en parle là parce que j'ai peur de me faire virer de Venise. Et le jour où je me fais virer de Venise, on avisera, mais pour l'instant, c'est pas du tout sûr que je parte en Ligue 1. Je pense qu'à terme, j'en ferai une en Ligue 1. Vous aurez peut-être plusieurs, comment dire, séries sur FM. Parce que, comme à partir d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y aura maintenant deux vidéos par semaine sur FM, une le mercredi, une le samedi. Rien ne m'empêche de faire deux carrières. Après, le problème avec ça, c'est que moi, j'ai du mal à jouer à deux carrières en même temps. Vous voyez, j'aime bien me concentrer sur une carrière. Donc, c'est plus possible qu'il y ait une carrière avec un club et qu'elle se termine un jour et qu'on passe à une autre. Vous voyez, c'est plus ça. Je pense qu'il n'y aura pas qu'une seule carrière comme je fais sur FIFA, sur FM. Ça sera pendant 2 mois, je vais jouer avec telle équipe, je vais faire 5 saisons. Après, je vais faire 3 4 saisons avec une autre. Enfin, vous voyez, il y aura beaucoup de diversité, on va dire, dans les clubs que je vais prendre. Et ça sera pas des séries ultra longues. Entre les épisodes, j'aurais peut-être beaucoup avancé. Ça dépend des moments, comme je vous dis. Il y a peut-être des périodes dans l'année où j'aurais pas trop envie de jouer à FM. Du coup, j'avancerai pas beaucoup en off. Et du coup, les carrières avanceront pas trop. Mais bon. Oh non, Mlakar, qu'est-ce que t'as fait là? Donc, à voir. À voir, clairement. Mais voilà, je voulais vous parler de ça. Pour que vous soyez au courant. D'ailleurs, comme je vous avais demandé dans le dernier épisode, hein, la durée que vous voulez à peu près pour les vidéos FM. Vous êtes entre 30-40 minutes à peu près pour tous. Il y en a qui veulent 40 minutes, 1 heure même. Je pense que 35-40 minutes, c'est très bien. Celle-là fera certainement pas ce temps-là. Elle sera peut-être beaucoup plus courte. Parce que j'ai pas beaucoup de temps là devant moi. Pour tourner, on est le soir, je suis très très fatigué. Enfin, j'ai le temps entre guillemets, mais je suis très très fatigué. Et puis j'ai envie de vite pas me coucher, parce que je vais pas aller me coucher à 9h, mais. De me poser sur l'ordi, de me reposer. Je vais pas jouer ce soir, même à FM, je pense. Bon, ça se passe pas mal pour l'instant, mais je sais que vous pouvez faire mieux, les gars. On mène 1-0 contre le 18ème. C'est pas incroyable ce qu'on fait, mais on mène. C'est pas mal, on a moins d'occases qu'eux, moins de tirs cadrés en tout cas. Mais on mène. Donc si on arrive à tenir le résultat, ça sera pas mal. On va pas comment dire, se casser la tête, hein. Ce qu'il nous faut, c'est pas du beau jeu, c'est des résultats.
Parce qu'il faut assurer le maintien déjà, parce qu'on n'est pas très loin. Hein. Enfin, avant le match, on était à 23 points, donc c'est-à-dire qu'on avait que 8 points d'avance sur le 20e. C'est pas énorme, hein, donc bon. On va essayer de contrôler ce résultat déjà. Ah là, je le sens pas. Je sais qu'on va se faire égaliser. On se fait tout le temps égaliser mentalement. Mes joueurs sont très 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 faibles. Ils se regroupent. Enfin, ils font des erreurs incroyables après un but. C'est incompréhensible. Hein. Et c'est pas des trucs dans les. Enfin, pas dans les tactiques. Dans les consignes, je pense. Parce que c'est juste. Mentalement, ils sont faibles, quoi. Techniquement, mentalement. Tiens, Pavlovic, c'est pas celui qui jouait à Angers? Avant? Ah bon, je peux pas appuyer. Ok, je peux pas regarder. C'est pas grave. On est à 8 tirs toujours comme eux, mais on cadre beaucoup moins. Ça, c'est un gros problème. Au niveau de la possession de balle, c'est assez équilibré. Par contre, si on gagne, ça voudra peut-être dire que Gattuso va se faire virer. Le pauvre. Alors, attends, la 60e minute, on va faire des petits changements. Donc, Mlakar qui a marqué, Marsoura qui a été très faible. Donc, on va faire rentrer Mastour. Fabrice qui a pas été bon, on va faire rentrer Gustafsson. Et on va faire rentrer. Tiens, Djelkovic qui s'est blessé, on va faire rentrer Modolo. Allez. C'est pas mal comme ça. Pour pas aggraver la blessure d'Djelkovic. Mlakar, heureusement qu'il est là. D'ailleurs, il est prêté encore 2 ans. J'ai prolongé le prêt de Mlakar jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc il aura fait 3 ans avec nous. Pour Odero, je crois que j'ai fait la même chose. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Non, jusqu'en 2019 encore. Donc je l'ai pas encore fait, mais. Je pense le faire, bah, regardez, on va le faire tout de suite. Faire une offre, offre de prêt. Ils veulent me 50% et je peux donner que 20% même. Ça, les salaires, c'est compliqué. Là, je peux pas pour l'instant Odero, pourtant c'est le salaire que j'ai. Hein. Pour l'instant, je prends 50% de son salaire. Hein. Mais là, ils veulent plus que je prenne 50%. Donc ça va être dur de garder Odero une saison de plus. C'est dommage parce que c'est vraiment le gardien très très fort. Allez, pour l'instant, il n'y a pas d'occasion. Moi, ça me va très bien hein, s'il n'y a pas d'occasion. Pour l'instant, on mène donc. Parme qui est deuxième, hein, l'équipe qu'on joue juste après là. Allez, Falzerano. Gustafsson. Non, on va la perdre. C'est ce genre de perte de balle et derrière, on se prend à contre. C'est tellement tout le temps comme ça. Mandragora. C'était pas cadré. Hein. Ouais, Odero qui l'a pas touché. Les deux joueurs de la Juve. Enfin, Mandragora, il est encore à la Juve. Hein. Je pense qu'il est prêté. Tiens, il me semble hein, que c'est la Juve, Mandragora. J'ai peur de dire une bêtise là. Attends, mais je peux pas cliquer sur les joueurs. 81ème minute. Est-ce qu'on va craquer dans la fin de match? En tout cas, on se fait dominer. Hein. On mériterait de perdre alors qu'ils sont 18ème, quoi. Contre les équipes de bas de tableau, je me fais tout le temps dominer. C'est incroyable. Oh, la touche longue. Sissako qui relance, mais bien sûr, personne à la retomber. Derrière, le marquage est catastrophique. Il y a quoi? Ah, il y a hors-jeu. Très bien. Par contre, il commence à avoir beaucoup de cases dans cette fin de match. Ça fait peur. 12 tirs, 7 cadrés, quoi. 8 tirs, 2 cadrés pour nous. Hein. Si on gagne ce match, c'est un petit vol. Ouais, il tire à côté. Il multiplie les occasions, là. Putain, mais il est où, Mandragora? Mandragora qui est en défense centrale. Waouh. What the fuck? Mandragora qui est en défense centrale. Non, mais toujours plus. Qu'est-ce qu'il fout en défense centrale, Mandragora? Et Pavlovic qui est passé en buteur. En fait, ils ont changé de stratégie. Ils ont passé le mec en buteur, quoi. Allez, Falzerano. Avec Sissako. Ouais, le centre raté, il reste 50 secondes. Est-ce qu'on va prendre un but à la dernière minute? Comme très, 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 très souvent. Ou est-ce qu'on va réussir à voler le match jusqu'au bout? Gustafsson, Tebar. Oh, bien joué, Verjon. Un bon centre, ça a été contré, mais ça sera un corner. Quoi? Ah, c'était contré par mon joueur. Très bien. Très, très bien, ça. Ouais, c'est bon, c'est terminé, il reste 5 secondes. Allez, monsieur l'arbitre, siffle la fin du match. C'est terminé. Un petit vol contre Croton, donc on se fait même dominer par les équipes de bas de tableau, hein, vous voyez, mais on a réussi à gagner. Bon, je vais leur dire que bravo pour leur remonter le moral, parce qu'ils ont un peu le moral au fond des chaussettes en ce moment. Donc c'est bien de leur remonter le moral. 6 à 7 jours, Djelkovic. Ça fait chier, ça. Et que sa situation est devenue intenable. Oui, non, il faut lui laisser du temps. Odero est un grand gardien, on le sait, j'aimerais beaucoup pouvoir le garder, mais... Ça ne va pas être possible, hein, vu sa valeur, il a plus de 2 millions. Mais en tout cas, c'est un gardien que je vous conseille. Si vous avez un budget d'un million, 2 millions, recrutez ce gardien. Franchement, après, je ne sais pas ce qu'il peut valoir dans un autre club. Parce que là, Odero, il est où effectif. Parce que moi, il a 4 étoiles, je crois. Il est où? Il est là. Il a 4 étoiles, voilà, et potentiellement entre 4 et 5.
Mais c'est pour mon club. Je sais pas pour vous, pour un club de Ligue 1 par exemple, s'il fait le taf. Je sais pas. Mais je pense qu'il peut être bon, sans être non plus exceptionnel, hein, mais je pense qu'il peut être bon. Donc à voir si vous voulez. En tout cas, si vous le testez sur vos carrières FM, n'hésitez pas à me mettre un petit tweet. Hein. J'ai vu d'ailleurs, enfin, il y a l'un d'entre vous qui m'a tweeté en privé qu'il avait lancé une carrière avec Venise. Donc ça fait plaisir hein, que vous vous inspiriez de ce que je fais. En tout cas, je vous souhaite une meilleure réussite que moi hein, pour ceux qui prennent Venise, parce que je suis pas un exemple sur FM. Je vous l'ai déjà dit. Hein, autant sur FIFA, c'est pas que je me sens fort, mais je me sens capable de faire des choses. Je me sens à l'aise. Dans ce domaine, comment dire, je me sens légitime en fait à faire des vidéos sur FIFA, mais sur FM pas du tout. Ça me fait plaisir de vous en faire parce que j'adore ce jeu, mais je me sens pas fort du tout et j'ai pas envie que des mecs arrivent sur la chaîne grâce à cette série et qui viennent me dire mais putain mais t'es qu'une merde, tu fais n'importe quoi. Oui, je ne maîtrise pas le jeu, oui je suis nul, mais je me suis jamais revendiqué expert FM en fait, c'est ça. J'ai peur que les experts FM viennent et me critiquent, enfin pas les vrais experts, hein, mais les pseudo-experts, quoi, vous voyez. Mais enfin bref. Bourg-en-Bresse serait, si l'on s'en fie aux rumeurs, votre prochaine destination. Ils sont 12e en Ligue 2, ouais, ce serait une bonne équipe, hein, mais non. Je ne veux pas aller à Bourg-en-Bresse. Il y a tous les clubs de Ligue 2 qui me veulent. Il y a eu Lens un moment. Franchement, si j'avais su, j'aurais peut-être pu dire que j'étais intéressé par Lens, hein, parce que c'est pas mal. Hein. C'est un beau défi, un bon centre de formation, c'est de la Ligue 2. C'est pas mal. Hein. Certains m'avaient demandé d'ailleurs, quand j'y repense, de refaire une carrière avec Valenciennes cette année. Je pense pas le faire, parce que déjà, j'aurais jamais la même réussite que l'année dernière, où j'ai gagné la Ligue des Champions avec Valenciennes, je vous le rappelle. Et j'ai envie de rester sur une bonne note avec Valenciennes, pas de recommencer, puis c'est un nouveau jeu. Si j'ai envie de continuer ma carrière avec Valenciennes, je retourne sur FM17, vous voyez. J'ai pas envie d'en recommencer une avec Valenciennes, j'en ai une. J'ai pas envie de reprendre le même club, je suis pas fan de reprendre les mêmes clubs d'une carrière à une autre. Enfin, surtout d'une année à une autre, s'il y a deux années d'intervalle, ça me dérange pas. Allez, bonne influence. On est favori face à Parme. Hein. Tu me diras pourquoi, je sais pas. C'est Rabolo qui est craint par Ventola. Brusca Guin qui est de retour à Pierluigi. Ouais, on l'avait vendu à Parme l'année dernière. Putain, il vaut 1 million maintenant. On l'avait vendu 300 000, il a été plutôt bon. Ah non, on l'avait vendu à Carpi, pardon. On l'a vendu à Carpi, il a pas été bon. Et il a été acheté par Parme cette année. Et avec Parme, il est bon. Ok. Oui, on est bon ami. Je l'aime bien. T'as dit, ouais, il fait un truc bien, il fait un boulot incroyable. C'est pas mon intention, hein, pas du tout. C'est toujours les mêmes trucs, hein, de toute façon. C'est un joueur avec des qualités qu'il affiche. C'est une équipe qui est capable de varier son jeu. Pour son âge, c'est l'un des joueurs les plus talentueux avec lesquels j'ai travaillé. Donc en même temps, j'ai pas travaillé avec beaucoup de joueurs. Hein. On va pas se le cacher. Ah quoi, on est à 23 minutes de vidéo, on va peut-être les atteindre les 40 minutes. Hein. Brusca Guin. Bon, il souhaite pas discuter de cela, ok. Ouais, il a pris mes déclarations comme un compliment, ça c'est bien. Les dirigeants de Venise, contents de mon attitude. Réunion recrutement, à quoi ça sert? Oh, Ngenda. À quoi ça sert d'avoir une réunion de recrutement vu que je peux pas recruter, à part les joueurs libres, hein, effectivement, mais... Pas grand chose quoi. Fabrice qui est plutôt bon, mais il commence un peu à s'affaiblir. Regardez, il vaut 2 millions. Hein. Mes joueurs commencent à prendre de la valeur en revanche. C'est bien pour le club, c'est pas bien pour moi parce qu'ils vont partir à ces prix-là. Parce que je pourrais pas les vendre plus cher que leur valeur, comme on est en déficit. Et du coup, je pourrais ramener les finances du club à zéro avec 5-6 ventes. Mais ça sera la même rengaine derrière. On sera revenu à zéro, c'est cool. Je vais remplacer les joueurs par d'autres et les finances vont recommencer à redescendre jusqu'à ce que je revende un autre joueur. Donc c'est un cycle vicieux quoi. Un cercle vicieux plutôt. Allez, on joue contre Parme. Est-ce qu'on fait des petits changements? Bon, on n'a pas le choix parce que Djara est suspendu et Angelkovic est blessé. Donc ça c'est déjà la crise. En tout cas, si vous avez des playlists, comme là vous écoutez une playlist libre de droit sur YouTube ou quoi que ce soit, n'hésitez pas hein, si vous voulez que je les mette dans les prochains épisodes. Ça sera avec plaisir. Donc on va laisser Mlakar qui a fait un bon match. Je vais mettre Signori à la place de Tebar. Et à la place de Fabrice qui est pas en très grande forme, on va mettre... Il est où? Ah, il est blessé. Ouais, il est blessé. Donc on va mettre Gustafsson. Allez, on va être parti là-dessus. Est-ce qu'on va réussir à faire deux victoires dans l'épisode? Ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal pour une équipe qui est totalement faible en ce moment.
Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? Nous sommes sur une bonne série, je veux un gros match. Ouais, enfin, une bonne série, t'enflamme pas. L'absence de Rafael Jarra, oui, c'est très décevant, ça. Oui, ça fait des petites pépites qu'il faut trouver. Des mecs comme Rafael Jarra qui était libre et il est plutôt bon pour notre club. On peut le récupérer, le vendre 3 millions l'année d'après. Je pourrais faire ça avec plusieurs joueurs tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, je vendrais mes meilleurs joueurs. Tous les ans, je devrais reconstruire. Il n'y a rien qui va se construire au club, en fait. Oh, la barre, dommage. Il n'y a rien qui va se construire au club de cette manière-là. Et c'est très difficile, quoi. Très très difficile, mais après c'est franchement c'est faisable. Hein. Tu vends tes meilleurs joueurs chaque année pour remettre tes finances dans le positif, et jusqu'à temps que tu arrives à avoir une alchimie avec une équipe sur un an, qui t'arrive à te faire des exploits et monter. Et après quand t'es en Serie A, je pense que tu gagnes un peu plus d'argent, et du coup t'essaies de te maintenir pendant plusieurs saisons, le temps que tes finances augmentent, et avec les mêmes joueurs, tu recrutes pas trop tout ça, et au bout d'un moment quand tes finances commencent à être bien, tu commences à recruter un ou deux joueurs par an, et c'est un défi qui est très très intéressant celui avec Venise, mais ça se fait sur plusieurs saisons, sur des dizaines et dizaines de saisons, clairement ça peut être, mais ça peut être très très bien, hein, ceux qui ont la motivation pour faire autant de saisons, pour construire autant, franchement chapeau, hein. Après moi je l'ai fait avec Valenciennes, mais c'était pas pareil parce que je gagnais tout de suite en fait. J'ai toujours gagné quasiment, j'ai toujours été dans les hauts tableaux, les finances ont toujours été bonnes, première occasion déjà un but. Les finances ont toujours été bonnes, donc moi c'est ça qui compte en fait. Je jette un œil incroyable aux finances, si les finances vont mal, je me sens pas bien et ça m'énerve. Ça m'énerve et du coup pour construire l'équipe après c'est un enchaînement de choses, hein. C'est plus compliqué, etc, etc. Bon bah du coup on a pris un but d'entrée, hein. Comme d'hab on prend soit un but d'entrée, soit un but à la fin, ça arrive tout le temps. Soit sur la première occasion, soit sur la dernière, mais vraiment tout le temps. C'est un manque de concentration énorme de la part de mes joueurs, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi je peux pas qu'ils soient... je peux rien faire pour qu'ils soient plus concentrés, hein. Enfin je pense pas. Je pense pas que je puisse faire grand chose. Hein. En plus on domine pas mal les débuts de match quoi, ils ont fait qu'une frappe, on en a fait trois. Là on a encore la balle. On va avoir une petite occasion certainement. Oh Marsoura, il y a une petite faute là. Il avait la balle, il s'est fait gêner. Et regardez le marquage, c'est aberrant, le mec, il n'y a qu'un seul attaquant devant, et il arrive à être libre. Et regardez les déplacements des joueurs de Parme et le déplacement de mes joueurs, il n'y en a aucun qui prend son marquage. Et on a failli en prendre un deuxième, c'est incroyable les facilités qu'ils ont à traverser notre défense à chaque fois, c'est... Je sais pas, tenez votre marquage, regardez, tous les joueurs sont libres. Regardez, même les deux attaquants là, ils sont libres. Récupérer. En tout cas, si vous avez des tactiques aussi qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à me les partager. Hein. Je suis preneur pour tester des tactiques, hein, ça y a pas de souci. Moi, je teste la mienne là sur plusieurs saisons. On voit qu'elle est pas ouf. Hein. Sur des matchs, elle est incroyable. Sur d'autres, elle est chaotique. Donc, je sais pas quoi en penser. Je sais pas. C'est ma défense est d'un niveau. C'est dingue. Mais ma tactique en fait, je sais pas si elle est pas adaptée à cette équipe là, peut-être que les joueurs sont trop faibles pour une tactique comme ça, je sais pas trop, à vrai dire, je me pose beaucoup de questions. Si c'est moi qui suis mauvais, ça c'est sûr, mais est-ce que cette tactique là sur une autre équipe fonctionnerait mieux? Je sais pas trop. En tout cas, hein, deux occasions de but, hein. Deux occasions de but, c'est plutôt génial. Hein. Moi vous voyez à quel point j'ai des difficultés quoi. Vous voyez par A plus B à quel point je suis en galère. Après je suis dans le milieu de tableau, hein, ça va, c'est la place qu'on doit être. Hein. D'ailleurs on a été pronostiqué 10e je crois cette saison. Je sais pas pourquoi, mon équipe est pas si forte que ça par rapport à l'année dernière. J'ai rajouté juste une personne au milieu de terrain et un défenseur central, quoi, donc rien de ouf dans les titulaires. Et un défenseur gauche mais qui a le même niveau que l'ancien, donc... Oh bien joué ça. En deux temps, ouais, bien joué. Heureusement qu'on marque parce que bon, ça aurait été frustrant là. Et du coup, on réduit la marque, c'est bien, la 32e minute. On a plus d'occases, hein, mais on n'est pas efficace devant le but. Tiens, Bruce Caguin, avec Seravolo, Scavone, voilà le marquage. Hein. Le marquage qui est pas pris. Hein. Après, peut-être que dans les tactiques, il doit y avoir un truc marquage à la culotte, je sais pas quoi, la consigne particulière. Non, c'est pas ça. Merde. Merde, je sais plus c'est où. Ah, la consigne d'équipe. Consigne d'équipe en défense. Empêcher les... Faites un marquage plus serré, hein. Je l'ai mis, hein. Je vais être engagez-vous plus, tiens, pour voir. Mais, je sais pas, je mets un marquage serré et t'as vu le marquage? Marquage serré, ça? J'appelle pas trop ça du marquage serré, moi. J'appelle ça du marquage laxiste, personnellement. Allez, si on pouvait égaliser avant la mi-temps, ça serait cool, hein.
Ça serait cool. Attention, Signori qui a la charrette là, mais qui arrive à récupérer la balle. Avec Modolo, Aquadro, Gustafsson. On va pas la perdre la balle là, quand même. Non, c'est bon, bien joué la passe vers John qui est seul. Le bon centre. Personne à la retomber, mais Aquadro récupère l'arrêt de Pinsoglio qui est beau. Il est beau l'arrêt là du gardien de Parme. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bien joué Falzerano. Ah, le centre est dégueu. Et Bruce Caguin qui peut s'amuser. Bon, une relance dégueu, hein, mais. Mais ça se termine là-dessus. Allez, est-ce que ça va être la mi-temps comme ça là? À 2 buts 1. Ah non, pas un troisième par contre. J'en prends aussi dans les arrêts de jeu. Enfin, je prends tout le temps des buts dans les mauvais moments en fait. J'allais dire, regardez, preuve par A plus B. Que je prends toujours les buts jamais quand il faut. Alors, on va leur dire que c'est pas suffisant là parce que. Je veux voir autre chose en seconde période. Ouais, clairement, parce que bon. On domine, hein, mais défensivement, on est très très mauvais, donc je veux voir autre chose. Puis offensivement, on a des occasions, mais on marque pas, donc on en a mis un, c'est tout, quoi. Et encore, c'était sur une reprise. Alors, attendre un peu de voir si ça change pas, on fera des changements tactiques. Changera un peu de compo. Ah tiens, Bruce Caguin qui laisse sa place. Il avait quoi comme note, Bruce Caguin? 6,4. Ouais, pas terrible. Il a pas fait un très bon match pour ce retour chez nous. Marsoura qui fait encore un match de merde. Ça lui arrive très souvent. C'est soit il est très mauvais, soit il est très bon. Il a jamais d'entre deux, lui. Soit il met un doublé ou il fait deux passes décisives, soit il fait rien. C'est assez frustrant. Alors, regardez, si on la récupère, on est bien. Voilà, mais non. Allez, le pressing. Et voilà, à chaque fois qu'on fait une relance, on la perd. Bon, là, on la voilà. À chaque fois qu'on fait, vous savez, qu'il dégage, qu'on met la tête, on repère la balle derrière. On a un manque de présence au milieu de terrain, je pense. Mais pourtant, j'ai trois joueurs dans le milieu, quoi. Et trois joueurs plutôt défensifs, donc. Ouais, le bon sens de Sista, comme la carre, le poteau. Putain, et en plus, on n'a pas de chance, quoi. En plus, on n'a pas de chance. Alors, on va tenter une tactique offensive, on va sortir Signori. On va le mettre en attaque. On va faire rentrer le petit Scossi là. Le petit Scossi, pardon. On va le mettre en attaquant pivot. C'est son meilleur poste. Attaquant pivot, attaque. On va faire sortir Marsoura encore une fois hein, pour Mastour. Et puis on va faire sortir Gustafsson pour Fabrice. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Confirmer changement. Voilà. On va tenter quelque chose. Hein, on n'a pas trop le choix. C'est équilibré pourtant ce match. Mais bon, on a gagné un match juste avant en se faisant dominer. Et là derrière on fait un match équilibré contre le deuxième alors qu'on s'est fait dominer par le 18ème. Enfin, incompréhensible ce FM pour l'instant pour moi. Pour moi hein, parce que je pense qu'il est très bien. Hein. Mais moi au niveau de mes choix, c'est pas la folie. Oh dommage. On aurait pu avoir un penalty, ça aurait été bien. J'aurais pas été contre. Ah, 7 tirs 4 cadrés, 7 tirs 3 cadrés, hein, ils ont eu une occasion de plus là. Allez, si on pouvait avoir au moins une occasion, quoi, pour qu'il y ait un peu de suspense. Ça serait plutôt cool. Mastour qui prend un carton jaune, hein, une occasion pour Parme. Sur un coup franc, ils vont avoir un corner derrière. On n'a pas eu d'occasion depuis le changement tactique, en tout cas. Je pense que même si je mets un attaquant en plus, le fait d'enlever un milieu de terrain, pour la construction, c'est pas la folie. Oh, bien joué, Odero. Bien joué, mon grand. Mais bon, on est toujours mené, donc ça sert pas à grand-chose. Si à la fin, on égalise... Je pourrais te dire merci. Plus qu'un quart d'heure. Même pas. On n'a pas eu d'occasion en seconde période. Hein. On n'a pas eu une seule occasion. Quoi. Toujours 7 tirs 4 cadrés. Hein. Ça n'a pas bougé. C'est très très difficile. On va même demander mentalité de créer le surnombre en attaque. On va aller à fond à l'attaque. Quitte à en prendre un troisième. Hein. On va très certainement prendre un troisième, mais... Il faut tenter tout le monde devant. Falzerano avec Mlakar, ça c'est une bonne passe. Un centre. Mais non, centre, putain, mais... Il y avait Kossi tout seul. Skodan Kossi. Ah, il faudrait que ouais, j'ai une équipe avec un centre de formation pas trop dégueu. Et comme ça, on pourrait avoir des petits jeunes tous les ans. Oula, attention, c'est dangereux le tag des jeux, là. Heureusement pour nous, il n'y a pas faute. Alors on peut peut-être contrer. Enfin, contrer. Construire l'action, en tout cas.
Ah voilà, c'est très très mal joué de la part de Sissako et derrière c'est récupéré parce qu'il y a, il y a moins de présence au milieu de terrain. Regardez, ils se prolongent tous à l'attaque, voilà. Pff. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mon équipe est... Non mais... Ça joue super bien là. Ils ont fait une récupération, ils sont tous montés. Moi, ils sont tellement laxistes dans leurs actions, c'est... Regardez là, ils montent à 3. Et moi, regardez les joueurs qui défendent. Il y en a aucun qui les suit, regardez, regardez, ils bougent pas. Ah c'est... C'est très très frustrant quoi. Très très frustrant. Après, on mérite de perdre, hein. C'est pas ce que je veux dire. Je me plains beaucoup, hein, mais j'ai vraiment du mal sur ce FM. J'ai du mal, après c'est le jeu, hein, c'est comme ça, mais bon. Allez, ça va se terminer là-dessus. Défaite 3 buts à 1, mérité. Y a pas à tortiller du cul pour chier droit. On mérite cette défaite. J'adore cette expression. Je peux pas me satisfaire de ce que je vais voir, mais je le dis à chaque match et c'est pas pour autant que les mecs changent les choses. Hein. Ils sont pas très motivés à changer les choses. Adero qui est blessé. Pour dire, on se retourner. Bon, je savais que ça allait être difficile. Oui, il est très intéressant de les voir là. Vous êtes en colère. C'est un résultat lamentable. Je ne veux pas commenter les prestations individuelles, je m'en fiche. Je ne pense pas citer à ce match, on n'a rien à faire. Et voilà, donc du coup on va se quitter là-dessus. Donc on a eu une victoire dans l'épisode, ça c'est quand même pas mal. Une victoire, une défaite dans l'épisode. On se retrouve 14ème. Il voit Venezia aller loin. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, mon grand. Arrête de me lécher, hein, on va se faire défoncer. Donc voilà, on est 12ème et Frosinone et Catania peuvent nous passer devant. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Prochain épisode, peut-être que ça sera quand on se fait virer, hein, qui sait. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aller faire un... Comme je vous disais tout à l'heure en fait. Le budget salarial à 465 000, c'est ce qu'ils veulent maintenant. Moi, il est à 568 000. Mais ils voulaient 600 000, hein. Ils me l'ont réduit à 465 000, hein. Donc qu'on voit bien les choses, c'est pas moi qui ai mal géré le budget des salaires, hein. C'est eux qui l'ont réduit pendant le cours de la deuxième saison, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que je peux pas reprendre des rois auprès d'ailleurs. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes autres séries, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ma part en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.